ngambo oyo kongwe linga kate osio bandi susu polo polo kanga kamote mata mokolo moko olingi kaka sebo mungo ya kongo okwa kufa polo 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 tika 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 koka bula kongo likambo oyo Soni yaba wande oko sambo apolo Polo, polo besi konfiase katana mindele Baninga Afrika omona bango pamba Oko simba touche Volcan. Un paysage à couper le souffle. Une flore sans pareil au monde. Une multimine à ciel ouvert. Un pays où coule le lait et le miel. Telle est la RDC, mon pays. Notre patrimoine commun et notre héritage. Voilà pourquoi il exaspère et suscite envie et convoitise. On aime le Congo et pas les Congolais. C'est que l'Afrique doit savoir que tant que son cœur, qui est sa gâchette, sera malade, alors tout le continent ne se remettra pas debout. Hier, la quête du caoutchouc nous a valu l'amputation des mains. Jusqu'à 1300 mains coupées en une journée. Sans parler de travaux forcés que seule la mort arrêtait. Non, non. Même encore aujourd'hui. Cet holocauste si lointain et à peine croyable pour nous est devenu notre lot quotidien. Les tapis rouges du monde entier sont déroulés au pied de l'auteur de ces crimes autorisés et impunis. Voilà bientôt 30 ans que ça dure. Assez, c'est assez. Salus Patria, suprême Alex. Les saluts de la patrie, c'est la loi suprême. Congolaises et Congolais. L'heure est arrivée de s'interroger, réfléchir et fixer les causes. Les origines. Notre part de responsabilité. Identifier les parrains. Et les complices internes et externes. Pour cela, ne manquez surtout pas d'assister au rendez-vous des vérités qui seront livrées au colloque national pour la défense et la préservation de la souveraineté et de notre intégrité territoriale. Qui sera animé par des conférenciers et intervenants de renom. Isidore Ndaiwel. Monseigneur Marcel Outembi. Honorable André Mbata. Mwaila Tiembe. Alain Foka. Lambert Mendeo Malanga. Le doyen Essambo. Président Bossembe. Professeur Paul Gaspard Ngonda Koy. Professeur Edith Tamwe. Le professeur Chibangu Kalala. Mwamioto Baizi. Judy Raveur. Chef Fumu Difima. Charles Onana. Freddy Moulumba Kabwayi. Professeur Alphonse Toumbaloaba. Yamba Chintu. Faustin Bimisia. Honoré Kabongo. Blaise Mukenge. Fumu Toto. Thomas Luaka Lusenjola. Mikaela Rouen. Modeste Mutinga. Kwebe Kimpele. Joël Kitenge. Docteur Noël Tchani. Professeur Kabongo Malou Emmanuel. Et le professeur docteur Jacques Njoli. Les bases d'un nouveau Congo seront jetées. Pour contrer la désacralisation de notre souveraineté. Les ingérences et complots. Conjurer à jamais l'usurpation de notre nationalité. Le viol de notre territoire. L'infiltration de nos institutions. Les guerres à répétition et les crimes de guerre. La confiscation de nos terres. Les pillages de nos ressources. L'errance sans fin de nos populations. L'achat massif de conscience et autres antivaleurs. Venez tous derrière. Le pacte qui unit tout le Congolais. Organisé par le vent de révolutionnaires intègres. Et transparent pour une Afrique solidaire Veritas. Une initiative citoyenne. Pour tout contact. Très chers compatriotes et membres de FIS, dans une dizaine de jours, nous sommes à Bruxelles pour notre sommet de la diaspora congolaise. Des délégations viendront des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Australie, de l'Afrique,
du Japon et même de la République démocratique du Congo pour participer à ces assises jamais réalisées dans l'histoire de la diaspora congolaise. Cependant, tout le monde n'aura pas l'occasion de se déplacer et des milliers de Congolais de partout demandent à FIS de pouvoir diffuser en direct ces événements pour leur permettre de suivre et de participer. Je vous invite donc, chers compatriotes, de m'aider à relever ces défis parce que nous avons contacté une chaîne de télévision la plus suivie dans la diaspora et au Congo qui a accepté de transmettre en direct ces événements. Je viens donc vous demander de m'aider à lever un fonds de 2 500 $ pour assurer cette retransmission en direct de nos événements. FIS a toujours été capable de relever les défis. Cette fois-ci encore, je suis convaincu que FIS et des personnes de bonne volonté nous aideront à relever ces défis. Vive la diaspora congolaise. Vive FIS. Vive la République démocratique du Congo. Merci. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacaos. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques, et ça aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région du Grand Lac. Je pense que vous allez bien chez vous aujourd'hui, malgré ce petit retard avec lequel nous commençons l'émission d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme pas tous les jours, nous avons mis derrière nous la force régionale. Et je sais pourquoi j'ai mis ce fond aujourd'hui, puisque nous avons des choses à vous raconter, Namaka Mbwiteli, force régionale. Alors, Yangwana, Narosenga Nabino, d'abord, Napesibino, merci. Et puis, merci pour un renouvellement. Il y a confiance, Nabino. Merci pour un Bandeko Nios, ma partage à l'émission, Nabiso, à tout moment. Et merci, puisque vous êtes nombreux, qui commentaient, qui partageaient nos émissions, qui nous écrivaient. Vous avez bêlé, Boutine d'Arabiso, ma voice, Boutine d'Arabiso, ma message, même si mon sosna nous te font goli en côté. Je vous remercie sincèrement. Sincèrement, merci. Alors, merci na bino ba yebo zwaki courage ya kozala. Donc boni maki d'abord kozala ba membre ya chaîne Abisso. Vous êtes notre partenaire. Merci beaucoup. Les partenaires Mikolo Yonazo mon abinoté. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous rappeler? Paul Boivida, merci d'être là. Mon frère, il est partenaire et il soutient vraiment notre travail.
Je vois Cloc-Cloc qui est là, seulement deux partenaires aujourd'hui, sur plus de 80 000. Plus de 80 000. Tout ça déjà plus de 80 000. JB Kassansa, merci beaucoup. Il est notre partenaire. Naomi Podi, merci. Podi Wala, merci beaucoup. Mege la princesse, Mege Kinkundi, merci beaucoup. Et puis, qui autre? C'est fini, hein? Ceux qui sont connectés là, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Mais ceux qui ne sont pas connectés, sacerdoce royal, Nabosaniote. Et puis, Julie Bambi, oui. Julie Bambi, oui. Julie Bambi. Et puis, Florent Foka, le chef du village. Julie Bambi, Atunia Lobby. Oh, 2 500 $ seulement. Julie Bambi, coca, moi. Alors, merci beaucoup. Mon Lata, Moba, merci. Et je remercie ici tous les clubs HK Today, télévision de partout à travers le monde. Il faut en abandonner qu'on paie sa liste Nabino. Il faut en abandonner qu'on paie sa liste Nabino. Donc ici, je salue club HK Today de Mozambique, club HK Today de Namibie, club HK Today de Mujumai Ville, du Kasai Central Ville, de Chikapa Ville. Vous êtes nombreux, je vais avoir la liste. Mais dans la ville de Kinshasa, Naebi, Nazui, seulement club HK Today, il y a Mombele, il y a Maluku, club HK Today, il y a Bandal, club HK Today, il y a Mongafula. Je vais revoir la liste, mais toutes les 24 communes en Ekokite. Donc, si vous êtes là et que vous êtes membre, vous êtes convaincu dans Moussala Tozo Sala, au Lobito Sala et en haut ensemble, puisque l'idée, c'est que tous travaillent ensemble dans Kata Emission. Nous avons de bonnes idées. On va voir ce qu'on peut faire ensemble, mais il faut que ça soit dans une structure au lieu que ça soit de manière individuelle. Voilà pourquoi je souhaite que la structure est bana et vanda. Voilà, c'est un peu ça. Toutes les 24 communes, il reste à peu près 9 ou 10 communes. Envoyez-moi, dites-moi que voilà, nous sommes ici dans la commune telle. Notre club est vendu déjà. Netena Lubumbashi, c'est presque toutes les communes. Netena Lubumbashi, c'est presque toutes les communes. HK Today TV. Merci. Je vous aime bien. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que vous n'allez pas... j'ai fait un clin d'œil à tous les partenaires. C'est notamment BioHebs Cacao, le produit qui fait son... Hein, les produits Ezo Sala, Ezo Ningisa. Ces derniers temps, il n'y a que ces produits-là. Et puis, tous les contacts pour BioHebs, ils sont là. Et puis, je disais tout à l'heure ici que Bandek Oyobazana, Balimba Parba, comme un distributeur, les numéros, cette semaine, c'est la dernière semaine que tu as affiché les sources numéros OET. Comme ça, bon, ça, la liste Nabino, vous commandez vos produits dans tous les pays du monde. On est en mesure de vous envoyer les produits et vous pouvez aussi le revendre. L'essentiel est que vous vous retrouviez dans ce maya, produit au moins au conseil de trouver. Donc, je vous encourage. Mais pour ceux qui veulent consommer, tous les numéros sont là. Les numéros sont là. Le premier numéro des États-Unis, on m'a fait signe que le stock est là, disponible. Dans tous les coins des États-Unis, là où vous êtes, si vous demandez, c'est le premier numéro ici. Le numéro est là, qui se termine par 385. Et il commence par 385. On m'a rassuré que le produit est là. Et les autres, je pense, dans d'autres États, dans d'autres pays, ils ont les produits. Question de les appeler et puis prendre le programme. Bandeko, il y a Pili Pili, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je salue ici Maman Odette qui m'a dit, elle a déjà testé les Pili Pili. De père et de mère, il y a deux boîtes. Et puis à l'Obi, c'est du vrai. Maman Odette, là où vous êtes, mes respects. À l'Obi, c'est du vrai. Ils ont tel rôle là-bas, tomate, au Bassin, l'Arabie, sont aux États-Unis. Ils ont pilipil, alors qu'ils ont tomate. Donc, tinate, écoute, on a tinate. Mais ça, on m'a confirmé, Maman Odette m'a confirmé que Azui, et c'est du vrai. Faites aussi votre commande, c'est toujours pour soutenir notre campagne de la loi Tchani. Alors, pour le reste, je pense qu'on n'a plus d'autres communiqués. On avance. On avance aujourd'hui avec... oui, les panneaux solaires sont là. Ceux qui ont demandé les panneaux solaires. Mais nous allons changer
aussi de numéro pour appeler même en temps réel sans problème. Alors, Lelo Eza, les 13. Les 13, une grande journée qui nous rappelle deux grands événements. Le premier événement, c'est la naissance de cet homme. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Ça mérite vraiment une bougie. Ça mérite une fleur. Qu'on peut essayer, qu'on souhaite vie moulaï, peut-être 60 ans moussous. Parce que quand je vois l'anniversaire, il y a ma président moussous dans d'autres pays, et j'ai remarqué aujourd'hui sur ma chaîne moussous, est-ce que ta opposition, ma chaîne est opposition. Vous n'êtes pas obligé de souhaiter même un joyeux anniversaire d'un président qui est au pouvoir. Alors ça m'étonne. Moi, j'ai chanté ici pour Mafa, j'ai chanté pour Mafa. Naibida, ta naissance, c'est à Moïse Katumbi. J'ai montré ici qui autre. Les gens de l'opposition. Mais nous, les chaînes de l'opposition, faisons aussi un effort pour casser être dans l'opposition. Et il y a des gens qui sont dans l'enfer, d'autres sont au ciel. Non, nous sommes tous au Congo, nous débattons tous pour l'intérêt à Congo. Et quand il s'agit, Obama na Trump, jour il y a 11 septembre, Bakenda, ils étaient en pleine campagne électorale. Ils ont arrêté leur campagne. Et là, qui oh, y a zo tinda flèche boy, y a zo zong sa flèche boy. Namoni ba simbani na loboko ba kiti na place ya 11 septembre pour ba kendo tika fleur. Nathalie Eleke linga na lobi. Quoi? Ils sont à deux ba kei kote ka fleur. C'est pour un peu nous montrer que. Bon, enfin, je ne sais pas si en RDC ça peut se faire, puisqu'aujourd'hui, opposant à community Mpuku, pouvoir à community Niao. Soit vous voir en communauté, Niao opposant à la communauté Mpuku. Donc, n'est-ce pas que vous avez la politique, n'est-ce pas que vous avez la cité. Et puis, vous avez la bango, vous avez la bango, l'église catholique, qui à chaque fois il y a des messes d'action de grâce sollicitées par des personnes baso sales. Mais quand on tente de solliciter de l'autre côté, ils ne sont pas disponibles. Et puis l'église catholique, bon, enfin, moi, je ne sais pas, mais je souhaite à tout le monde, que ça soit Félix Tshisekedi, il va passer, qu'il soit l'église catholique, il va passer, que ça soit Katumbi, Fayulu, Muzito, tout, Matata, ils vont passer et ce pays restera. Donc, tous à la très prudent. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Motama et l'amour, président de la République. Motama et l'amour. Donc, joyeux anniversaire au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que Dieu vous donne ma coquille. Il y a comme Mamokumba, il y a RDC, Namapekanayo, puisque RDC ici, c'est une charge que, et à la Paul Kagame, RDC actuelle, et à la n'importe quel président en Afrique, je ne pense pas, puisque le pays a des problèmes, et autant que ça maquille dans tous les secteurs. Et c'est ça la charge que vous avez sur vos épaules. Nous vous accompagnons et que Dieu vous assiste dans cette lourde responsabilité. Chers amis, Lelo les 13. Lelo les 13, je ne souhaite pas montrer une photo, mais je souhaite vous rappeler que c'est la journée, maintenant 365 jours. Oyo, l'armée rwandaise a pris Bunagana. C'était le 13 juin 2022.
C'était un certain lundi, si je ne me trompe pas. C'était un certain lundi. L'armée rwandaise a pris la ville de Bunagana. Nabetele Bino Lisolo, que ce n'est pas une joie, Lelo, ce n'est pas une joie, que Tote le Matobanda Kosepela a une année entre les mains du M23. Nous sommes en colère. Il y a la rage qui est. Mais malgré ça, je dois ici signaler que ce n'est pas notre faiblesse. Et sa faiblesse, c'était comment on a l'élo, cette armée entre les mains. Non, cette armée dans notre territoire pendant une année. À Bunagana, ils font la loi. Ils contrôlent, ils mettent même les administrateurs, ils mettent même les chefs du village, les chefs de groupement. Ils font payer des taxes. C'est leur agglomération. Nous devons le dire ainsi. Mais cela n'est pas une manière pour nous de montrer qu'on est faible. Je dois ici vous dire que l'armée Oyo Bazala qui est sur place pour faire face à Bunagana est tombée. Avec l'appui d'abord, il y a des Congolais qui ont tourné le Congo na bango na mboka ya RDC. Ils ont accepté de servir les Rwandais. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Bunagana est tombé avec l'appui de la MONUSCO. Je dois vous donner un exemple. Je dois vous faire un rappel. Les militaires na biso ba komi, ils étaient confiance na biso to pesakina. MONUSCO, qu'on avance ensemble, puisque MONUSCO avait la possibilité, il y a qu'on contrôler Azakina, Azosale la drone, Azosale la Makambounios. MONUSCO, Naba drone naïe, voyait la position, et si ka, ba militaire ougandais, non, rwandais Bazalaki, que nous appelons aujourd'hui les M23, Bisso, Tozo Kende, avec confiance que Tozo Kende, Toza na autour y a Bunagana pour nous protéger Bunagana. C'est la MONUSCO qui donne des instructions na commandement na biso. Ok, pour l'instant on s'arrête là. Totika, on se retire pour, comme un retrait stratégique. Alors que pendant que hier Azala Kosa la badrone, Azo mon apenda mongunande gazoya, il demande aux troupes de la RDC de se retirer, de reculer. Bisika Bazalaki et à 2 heures, donc, ils ont seulement à heure et l'andani. Sauf que Bazalaki n'a 13 heures place telle, bah, longue, selon instruction, demande à MONUSCO, n'a 14 heures, bah, Rwandais, bah, comme il a place, Zalaki, Ninouana. Ce n'est pas que Force Nabisso, FRDC, elle n'était pas à mesure de, Yakotel Mela, M23. Deuxième chose, vous avez suivi les procès, bah, autant qu'aussi, il s'est procès, Wana. Il y a 2 commandants des opérations autour de Bunagana qui ont accepté de céder, de demander aux troupes Bolongwa. D'une part, la MONUSCO, Azo Salapé, Maska Mbunaye, pour faire tomber Bunagana. De l'autre part, les Rwandais avaient déjà acheté certains commandants. Il y a opération. Alors, Naba Kouignon au Bazalaki. Bah, il y a ordre que retirez-vous. Il se retire pour que Bunagana Aizala prie Namaboko Yaba Rwandais. Procès Nabango, mi balé. Bolanda qui a en la Kisaki Bino général Chinemouami, qui semblait avoir donné les Rwandanan Batinda qui est en autorité. Bah, Bengaki, y'a Bengaki, bah, tu n'as sur le terrain que bo libérer, bo replier, repli stratégique. Alors que c'était une manière de laisser les Rwandais prendre Bunagana. Alors, pendant que Kinshasa s'est préparé en disant nous avons des éléments sur terrain, pendant que Goma s'est préparé, nous avons des éléments sur terrain, alors que les Rwandais avaient déjà infiltré, avaient acheté déjà certains officiers. J'ai appris qu'ils viennent d'être condamnés à mort, même si la peine de mort n'est pas exécutée en RDC. Donc, noir sur blanc, Bunagana a été pris non pas par la faiblesse de la RDC, mais par notre mité mamabe yako trahir mboka. Les 2 colonels Obazaki,
du bossé à opération viennent d'être condamnés à mort. Mais ceci, c'est une leçon aussi pour nous. Je vais en parler tout à l'heure quand je vais commencer les dossiers. Il y a force régionale. L'air de la émission lobby. D'abord, chers amis, il y a une campagne, il y a médiatisation contre la RDC et contre le président Félix Tshisekedi. Campagne Wana, Ezali montait plus par les amis de Ensemble pour la République. Notamment, je cite ici Peter Tchani et toute sa bande. Bon, et toute son équipe. Ils veulent montrer à tout prix que depuis Bakangi, Salomon Kalonda, ces vidéos se multiplient. Ces vidéos se multiplient pour montrer que Félix Tshisekedi est incompétent, Félix Tshisekedi n'a rien fait, Félix Tshisekedi n'a rien. Natiela Kibino vidéo, avec une voix, transformée, mais c'est une voix. Ils ont mon année, Tiamondele, mais c'est une voix transformée. Il y a Bandekouana. Lelo Lobby. Ils ont la vidéo, vous me partagez ça. Vidéo on les a attribué na l'unité collection puisque c'est moins important et vidéo est celle mina bat des amateurs va éviter basui numéro vidéo on a bar collé yango na Radio Canada, une grande télévision canadienne, bar lobby pendant journal de 21h bar bandi koso ko baby ça. Oh, tu sais qu'il est allé, imaginez-vous la Radio Canada qui parle de tu sais qu'il dit pourquoi il est allé signer inaugurer tout ce qu'il inaugure et projet à Joseph Kabila. Ça, c'est dit dans soi-disant Radio-Canada. Alors, et puis, il condamne Tshisekedi dans cette histoire. Il ne pouvait pas faire inaugurer l'usine et à rassemblage et à bus Mercedes. Vous comprendrez que, dans le début vidéo, même si Balaki sait que c'est un extrait à Journal Canada, c'est du faux, c'est du montage. Et nous sommes là pour détruire ce genre de choses. Mon salat aux anango. Puisque ceux qui t'ont tiqué les bateaux en attend, ils vont rendre. Et puis, ils sont dans un clic. Hein. Les Rwandais sont là, les M23. Non, ne parlons pas de M23. Parlons des Rwandais qui sont là. Parlons de Katumbistes qui sont là. Parlons des Kabilistes qui sont là. Parlons des Fayulistes qui sont là. Et nous risquons de céder nous-mêmes. Et ça, Batumoro. Sokimbongo et Monani, Barosala Ndenge Basala na Bunagana. Et je ne sais pas s'ils ont déjà acheté à ce niveau-là. Ce qui s'est fait en RDC, si vous suivez une telle vidéo, envoyez-moi. Je vais vous montrer que ça, c'est du vrai. Ça, et avoir, Bokomona Bamsous, Bako publié page Mobimbaya, Les Soirs ou Les Mondes, page Mobimbaya, Jeune Afrique, Bazo Laksabino Biloko. D'autres, ce sont des pages, Bamemia, on a. Na Photoshop, d'autres net vidéo oyo ba coller liboso Radio Canada ba dans sima ba coller Radio Canada, mais ce qui est à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec la Radio Canada. Soyez très prudents. Ce sont les frustrés qui se sentent aujourd'hui que Salomon Kalonda, quand il est parti à côté de la refoute à l'issue ba tout monde était ba mususu ba za na problème siko ya ko ya ba loyer, et ils se sont mis na ko dénigrer les pouvoirs et tout ça. Nous aussi, on ne peut pas entrer dans cette danse. Tout le monde a peur qu'on dénigre le pouvoir. Kaboye kaka. Bah, faut arabi sauter. Bah, Salomon Kalonda. Tout ça, sur la liste T. Puisque, bah, Saliango, bisopeto kota. Et là, vous allez dire, non, il faut le babongo, soko le bibongo te. Donc, toi, tu es du pouvoir. Bah, faut arabi au pouvoir. Non. Ici, tout le monde n'est pas aussi appelé à insulter Martin Fayoul. Il y en a qui peuvent l'insulter, il y en a qui peuvent aussi dire au monde que ces insultes, c'est sur base de 1, 2, 3, 4, 5, ne tenez pas compte de ça. C'est ça, c'est que Makam Mingi ou Bisotolinga, tout ça. Moi, j'ai toujours été très contre Makambo, il y a manipulation, mensonge, ou Batoubalingi va imposer la population Bandima. Avec cette télévision, Borozala n'a chance ou en être. Donc, cette vidéo qui passe là, je ne souhaite pas la montrer, c'est un montage qui n'a rien à voir avec la Radio-Canada. Et ça les met dans mon thème à Mabé, et par des amateurs, puisqu'ils ont collé ça, et puis même Moutouaïbi m'a agité à Koyeba que ça, c'est fait par quelqu'un, il y a mon thème à Mabé. Mais aussi dans leur campagne,
Cette photo, na kutango, na zomona izo betaka tourna. Ah ouais, cette fois-ci, c'est seulement le Rwanda qui publie ça. Vous voyez qu'ils ont mis toute une machine pour désinformer, pour manipuler tout ça. Alors, les mensonges ne passera pas ici. Bokoyi na mensonge botin de langa. Botin de langa. Le Rwanda fait de cette photo et comme ya bango. Cette photo est community photo ya Rwanda. Photo oyo bozomona. Eza photo ya ba formateur ya FRDC. Qui ont la peau blanche. Baza, bazo formé FRDC partout na bakana bisonyo sa formation. Baza partout. La RDC a le droit de se chercher des formateurs ndenge bakoyi ko sala pour renforcer notre armée. Mais cette image et community la RDC a commis un péché. Pourquoi la RDC est allée prendre des blancs bazo benga bango na Rwanda de mercenaires. Et je vous pose la question, il est écrit où, les amis rwandais? Il est écrit où? Dans quel livre? Dans quelle constitution? Oyo RDC a pekisami d'aller faire recours à ba formateur étranger. Pour qu'aujourd'hui, à l'ONU, regardez, la RDC a des mercenaires qui s'ajoutent au FDLR et ainsi de suite. En quoi la RDC a commis un péché ici? Les amis rwandais, je parle en français pour que la plupart de vous, même si vous autres vous parlez les Lingala, les Kikongo, les Swahili et les autres, je voudrais vous demander, est-ce que ça ne fait pas, vous n'avez pas honte de dire ce genre de choses? Et puisque vous trouvez que la RDC est seule, je pense que ce sont des gens moins intelligents. Avant d'indexer quelqu'un comme ça dans la vie, attention, soit vous les faites comme ça, vous dites que ce que j'accuse aujourd'hui, nanu comme la réalité. Là, vous accusez avec tous les doigts. Mais quand vous faites ça, attention, les trois doigts vous retournent. Et zongelio. Ce que vous accusez aujourd'hui à la RDC, vous les faites chaque jour. Les Rwandais ont des... Moi, je ne souhaite pas les appeler des mercenaires. Mercenaires Rwanda, binonde bozo bimisamo Rwanda, comme si la RDC a commis un péché. Regardez, ici, vous êtes, nous sommes au Rwanda. Et vous êtes en pleine formation. Ndengepe oyabiso baza. Et aujourd'hui, vous avez de mercenaires dans vos rangs à tous les niveaux. Que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal. Mais quand la RDC le fait, vous appelez la communauté internationale à témoin. Regardez, la RDC a des mercenaires. Pourquoi vous ne pouvez pas oublier la RDC dans votre vie sur les plans militaires? Bobo Sana RDC. Non seulement ça. Ici, vous allez dire que non, on a photo montée. Si vous voyez ces militaires ici, au Yaza, à Lati, lunettes à noir, gilet à Lati, et un drapeau, il y a Rwanda. Donc, il porte même les drapeaux de Rwanda sur son corps. Il porte les drapeaux du Rwanda sur son corps. Ici, c'est normal. Alors, j'ai dit que certains Rwandais ne sont pas intelligents. Vous qui alimentez ces débats-là, pourquoi la RDC a de blancs, a de vous les appelez des mercenaires, comme si ils sont venus monter un plan contre n'importe quel pays voisin et c'est le Rwanda qui est le seul à dénoncer ça. Je pense que vous n'êtes pas intelligent. Ceux qui publient ce genre de choses, vous n'êtes pas intelligent. Il fallait vous interroger. Est-ce que nous avons des blancs dans nos rangs? Et si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez bien accuser la RDC. Mais quand vous le faites chaque jour aussi, vous êtes derrière tous les petits blancs, derrière tous les petits pays, pour solliciter leur appui chez vous. Je ne souhaite pas passer mon temps avec ce genre de choses. Laissez la RDC tranquille. Et je ne sais pas, vous serez très mal à l'aise. Je vous jure, vous serez très mal à l'aise. La RDC est en train de partir. Aujourd'hui, vous vous considérez comme une forte armée.
C'est parce que vous avez été formé par ces mercenaires-là. Et aujourd'hui, ça vous fait peur. Bonjour, Banga, puisque la RDC est en train de venir aussi. On va recruter ces gens. Bakosa, là, dans l'armée de la RDC. On les recrute. Même s'il faut leur donner des nationalités congolaises, on va leur donner des nationalités. Ils deviennent des Congolais. Pour notre souci, c'est de profiter de leur expérience. C'est fini. Et on verra là où vous allez passer. Nanoubolélité. Bon publié. Nanoubolélité. Et nous, nous sommes là, cette chaîne est là, pour éveiller, alerter à tout ce que vous racontez là, que ça ne passera plus. Ce temps-là est révolu. Chers amis, même quand j'ai parlé hier, il y a Équateur, côté Balingi Basala, Sokinde, Bambunza, Babengingai, Bamongo, Babengingai, Bangwandi, Babengingai, Balobi Honoré, dors tranquillement sur tes deux oreilles. La Kimia Honoré. Bisoto Bambunza. Ce qui Rwanda après Yakubimelana. C'est ça qu'ils m'ont dit. Moi, je ne fais que reporter ce qu'ils m'ont dit. Balobi ce qui Rwanda, ça qui bouzo bana est. Ayakolega Bambunza awa. Azo a village nabiso. A comme ça, on l'a sali dans Bunagana. Toroloba que les Mbunza n'existent pas ici, dans ce pays ici. À quelle histoire y a Bambunza, à Yoka, qui sont les Mbunza et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans ce pays? Bazo zela Yokuna, Kende, ça là, il y a un groupe déjà armé, en train d'être formé par James Kabarebe, qui va sortir avec ça. Nous sommes au courant de tout. Mais Bambunza, Bazo zela bin. Bangwandi, Bazo zela bin. Et ce temps-là, et c'est l'équipe. Ils m'ont dit ça. Alors, chers amis, bon, je pense que c'est l'essentiel pour ces amis qui se glorifient de gauche à droite. Et puis, j'ai eu beaucoup de réactions sur l'affaire Matata Mponyo Mapon. Matata Mponyo qui a semblé ne pas nous dire la vérité. Dans un témoignage tellement ébellé, dans l'unité que nous avons eu le dossier à Mapon. Mais merci, Naba. Biloko bo pesinga na ba photo na ba vidéo peut-être mon sous to sala na période to ba ko se positionner bango tout l'air to banda sko ko expliquer bino moko après l'autre pembeni ba élection ande to bim se biloko mon sous. Mais sinon merci pour votre contribution na dossier ya Mapon qui a toujours mikolo yoye na yeka azo bima azo révéler nyonso adoro ba zakaka hein. Bongo na bongo ka. Nekba soyil baloba. Alors, bon courage à Mapon. Je parle de Mafa ou de Mapon? De Mapon. Bon courage à Mapon. Mafa zala ki na États-Unis na ebite soki a zongi. Na loki na tinda ata batuba. Bon, c'est la nga invitation, interview, moyenté. Et toutes mes recherches sur ça et zala ki échec. Na ebite pourquoi na zara na chance te ya rejoa. Ba leader ya opposition. On va passer à l'interview. Naïbité. Bon. Parlons force régionale. Chers amis, force régionale, vous avez suivi avec moi l'évolution. Je sais que dans cette émission, vous aurez toujours la chance. Il y a Kolanda évolution, il y a force régionale. Vous êtes mieux informés sur l'évolution de cette force régionale. Toché Bangona Sima. Pour que tout, quand nous parlons de vous allez rappeler une idée, ce moment à FRDC, non, à FRDC, Balandie na force ya Kenya, Balandie kuna na soka, ce qui suit du Soudan, Balandie kawa Burundi, au Mususu, ba Burundi, ainsi au yo Kenya, bangotu baza presque place one. Force régionale. Si dans le mois de mai, je pense le 8 mai, réunion et Salemaki na Bujumbura, que Bakozala, si na fin août ou début septembre. Tu comprends qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut encore donner 3 mois na force régionale?
na yoki ba titre ya ba émission ah ba ke signer les sous kona ah ba tsike sala boyi ah ba ke sala boyi to zo rapetant ya kolande la masolo mususu. Est-ce que quand on veut aborder des sujets aussi importants, Yaboye, aux autres, dans la population, 100 millions de Congolais, sans compter 10 millions ou 15 millions de Congolais qui sont à l'extérieur du pays, il faut que je me pèse mon mot. Il faut que je me emballe par des sentiments, par des émotions, ainsi de suite. Quand on a reporté les mandats et la force régionale, il y avait un but. Mais avant, Nabino but. Que je revienne un tout petit peu sur mission et la raison pour laquelle Force régionale Bazonga qui est là qui est en RDC. Force régionale est outil na l'isolo, il y a un chef d'État 7. Un chef d'État O7, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Kenya, et puis Ouganda, la RDC et le Sud-Soudan. Na cadre ya Otobengi, communauté des États d'Afrique de l'Est. Na kokota ya Félix Tshisekedi, kokota ya RDC na kata ya UAC, des problèmes, et le qui est belé, ba groupe armé, ba, laissé par Joseph Kabila et belé. Ici, chers amis, je ne souhaite pas accuser abusivement quelqu'un. Nayoki bandeko nangai, ça c'est une parenthèse. Bandeko nangai ya FCC qui m'ont appelé, d'autres ont dit des choses. On dit des choses. Qu'il y a des choses ici, nazoloba, neti nazofinga Joseph Kabila, neti naza contre. Je ne suis pas contre Joseph Kabila. Mais je voudrais vous dire que na pesimino espasa na lobby, venez à l'ordre pour les droits de réponse si réellement j'ai insulté. Namoni mototé me bogangi juste dans sima ba téléphone abino. Vous devez savoir que s'il y a des gens à défendre dans cette génération maintenant, il y a l'élo. Attaque Tshisekedi Félix Azate alinga longo na pouvoir en 2023. S'il y a des gens sur qui on peut penser pour que Bazonga na mboko. Je ne pense pas que on peut citer Tiba citer Joseph Kabila Zonga. C'est mon point de vue. Et que cela ne vous blesse pas. Puisque Moutoua Rozonga, avec les soucis, il y a Moussala Banda qui est silité. Oui, c'est vrai, Joseph Kabila est le père de la... Hein, je peux dire que changement au Essale Maki. Nous voyons un nouveau président entrer et laisser l'ancien président partir. Il est le seul, il est le premier. Mais Joseph Kabila a détruit ce pays. D'une part, il a fait du bon travail. Il y a alternance et les Kabila. De l'autre part, c'est lui qui a tué ce pays. Je peux vous rappeler même Misu Akokangama. Joseph Kabila quitte le pays parce qu'aujourd'hui, vous donnez beaucoup plus de rapports d'importance dans la communauté, dans le rapport à la communauté internationale. Joseph Kabila quitte le pays, nous étions dans les top 10 des pays les plus corrompus de la planète. Et vous souhaitez que ça, tout le monde des top 10, tout peut-être, tout comme on a, je ne sais pas. Vous voulez que ça soit fait maintenant. Nous, Joseph Kabila nous laisse dans les top 10 des pays les plus pauvres de la planète. Joseph Kabila nous laisse dans les pays... dans les top 10 des pays les plus détourneurs de la planète, avec au moins 15 milliards de dollars par an. Joseph Kabila nous laisse dans les top 10. Nous sommes contre le premier. Capitale mondiale, il y a viol. C'est ici pendant Joseph Kabila dans ce pays. Joseph Kabila nous laisse un seul pays au monde où on peut trouver dans un seul espace plus de 120 groupes armés. Dans un seul pays au monde, c'est ici. Joseph Kabila nous laisse avec plus de 95% il y a chômage, 96%. Taux de chômage, plus de 95%.
Joseph Kabila, alors, si nous prenons tout ça, ce que ma lobby, est-ce que ma cosi, est-ce que j'ai insulté sur les plans des écoles, des universités? Nous prenons les top 2000, non, top 200 des universités en Afrique. Il n'y a aucune université de la RDC. L'éducation au Yamouké, à Koutaki, quand même, zéro au rabais. Et là, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Il y a beaucoup de secteurs, je peux aller dans chaque secteur. Mais quand on dit ça, oh, tu nous insultes, toi tu es journaliste taliban, journaliste de ceci. Je peux prouver et rapport nyon soit nanako mimango, nyon soit secteur par secteur. Aujourd'hui, Joseph Kabila était entouré de professeurs ordinaires. Mais si vous allez dans les rapports Shanghai, top 2000 de professeurs dans le monde, même en Afrique, aucun professeur congolais. Mais, bon, enfin. Bon, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Je ne fais pas ces histoires pour minimiser ou pour critiquer quelqu'un. Azo mérite critique. Critique, c'est bon. Vous faites aussi des critiques sur moi. Il y en a même qui m'insultent. Acceptez aussi qu'on dise ça de l'autre côté. On a laissé 120 groupes armés. C'est là où notre histoire vers l'EAC continue. Et le fait d'entrer dans l'EAC, je vois aujourd'hui tout le monde, la RDC, à côté seulement à EACT. La RDC, à côté, l'organisation existe en Afrique. OURDC, Aza n'a possibilité à Kokota, à Kota. Et ça, dans ma organisation, mon sous RDC Aza, Rwanda P. Aza, va vivre depuis. Mais Lélo, puisque chacun tire les draps de son côté, on voit seulement Mabé Nyonso, il y a eu assez. Toche Pembe. L'EAC arrive et na Kokota, la RDC présente la situation chaotique dans l'est du pays avec les groupes armés. La première assistance au Ezalaki que ces pays puissent apporter, Bamema, côté RDC, Ezalaki, Balobi, pour la consigne, c'est ma cambounion soana, tu repères ça, tu ressens là une force. Force soana et koya, et côté le melaba groupe armé, Nyons. Pendant qu'il s'est décidé, basse à la force soana, l'idée est là que force y a balayé tous les groupes armés. Mais nakat y a ma réunion d'engue basse à la ka, il y a toujours un virus. Il y a toujours un virus. Les virus dans cette réunion, c'était les Rwandais. Oui, c'était un virus. Voici comment les Rwandais ces jours-là, les jours où on décide, c'était un certain jeudi. On décide la mise en place d'une force régionale pour aller en RDC. Wana M23 Pébassebabine. Pour aller en RDC, nettoyer les groupes armés. Donc, discussion, donc stratégie, on part avec une discussion chez les groupes armés. On les convainc de déposer les armes et les rejoindre le programme. Il y a DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Au bako résister, soko la bango na makasi. Les jours où ma chef d'État, Bazo s'est décidé pour basa la force ou spéciale, Bachang en place, le Rwanda n'est pas là. Un jeudi, na Kenya, wana, Rwanda n'est pas là. On a compris que, regardez, Ndenge Jésus à l'obac, ti avant Tongo etana, moto mokwa kolongwanara, na ninyo Ndenge toza, toko tika la 11, mokwa kozalate. Il quittera pour aller me vendre moi. Il n'est pas content de tout ce que nous disons ici. Rwanda, les chefs d'État, les bazo décidé, Rwanda Zalaki, nous allons faire une force. Mais les risques bazo décidé sur la force, Rwanda Zate. Parce que Rwanda, harmonique, d'abord, il est sur place.
d'une appellation, ce qu'on appelle M23. Il est sur place avec des groupes armés. Oui, Azo Pesa Minduki, Azo Pesa Formation, Azo Pesa Appui, qu'on appelle les Tuguanero, les Redi Tabara, les Sardines, les Androïdes, tout. Bazawana, c'est l'œuvre du Rwanda. Vous allez nettoyer les groupes armés, je ne suis pas d'accord, et les Rwandais absents ces jours-là. Mais regardez comment les choses se font. Rwanda, jeudi, absent, na Nairobi, na séance importante, il y a décision sur la force régionale. Rwanda, les samedis, basali, réunion jeudi et sili, vendredi, batutu, bapanzani, samedi, Paul Kagame dépêche, donc se déplace avec tout un avion, tout un équipage, pour qu'il participe à un mariage, à un anniversaire, il y a moi, à Museveni, à Ouganda. Kenya, Ouganda, batutu, bayebi, Kenya, Ouganda, et ça. Donc, on fait ça par bus. On a un peu par bus. Et ça, et qu'est-ce qui empêche que, oh, y a pour une raison, il y a mon aîné, il y a qu'on décide, comme ma kimia, un voisin qui est tourmenté par les groupes armés, oh, y était. Mais pour un anniversaire, on a un carburant en avion, on mobilise ma pilote, on mobilise sécurité, on mobilise protocole, ok, qu'on participe à l'anniversaire, il y a moi, Museveni. On a bête le binôme à Soloa, na lobby, et l'eau qu'on a bien à l'idée du départ. Mais virus, moto mokoza na sa bateau, c'est pourquoi bateau, ils ont, comment on appelle les messieurs qui fouillent à Kenoko, qu'on batte à Manassa à boîte. Comment ils s'appellent dans la Bible? Ah, j'ai encore oublié, tout ça dans la Bible. Donc, bref, les Rwandais étaient en train de planifier quelque chose, à mon avis que les 7-6 pays, bah, il y a team, mais là, bah, on ce projet. Or, on a ce qu'il dit. Ah, comment moi, poto, moro, boye, salaboyo, sali. Donne-moi ceci, apesi, donne-moi ceci. Ok, militaire, dans la Bakozalawana, ils vont te protéger, tu seras éternel au pouvoir, n'engue la salapé, bah, président Moussous. C'était ça son souci. Même si on m'a dit, n'engue la zoke, n'engue la zoke, n'engue la zoke, c'est pour lui dire que je te protège. Aucun président, aucun État ici en Afrique ne pourra te bouger. J'ai protégé, j'ai créé des présidents et je vais te créer aussi. Mais il n'a pas réussi avec Félix Tshisekedi. Il a même proposé que Batunaye ya M23, dans la feuille de route au Kagame Azalaï Kotangula Nango, à la Kisa Tshisekedi a signé Yango, na Batunaye M23, ils avaient prévu même tout un bataillon pour protéger Tshisekedi Félix. Mais l'homme est allé au-delà de ses intérêts personnels. Et le moment où il faut qu'on paie sa paix, tu sais que moi, merci. Nenge le lona zoka, biso toke naki, toke yina Kinshasa, ba lesi biso, to signé. Ba la kisa, et l'or ba signé. Feuille de route wana, c'est depuis que bazalai kotambo lana, on l'air ba yoki, tu sais que y'a yena pouvoir, ils sont venus, Kagame, les porte-parole, est venu avec la feuille de route, accepte ça, et tu seras en paix. Tu prends 12 000 hommes, M23, côté ça, on a l'armée. Côté ça, on a renseignement. On partage le gouvernement. On pessimise le ministère tel. Yo, Zupé, ministère tel. Tokitine à niveau. Il y a entreprise publique. Et Zassori 65. Toi, tu prends autant. Tu nous donnes autant. Ça, c'est Kagame, son plan. Et ils avaient même prévu que M23, on va reconnaître la RDC. Bakokota na armée, Kanabango, Ezalana, Lubumbashi, Pembeni a fermé à Joseph Kabila. Je vous ai étalé la feuille de route ici. Tshisekedi n'a jamais mis sa signature là-bas. C'est la raison pour laquelle Babé Bana. Tshisekedi a sauvé la République. Même si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à l'accepter ainsi. Donc, oui, il faut rappeler l'histoire Nabatoyo qui manipule les gens pour rien. Ce qui tu sais que de Félix Asignaka, feuille de route, oui, je mets ça en exécution. C'est les Rwandais qui allaient protéger le président de la République ici. Et puis, opposition au Bozo Salaboy. Tu sais que de Akei a changé mandat, a commis à Tana 5 mandats, puisqu'il a cédé, il a coalisé avec les Rwandais. Mais maintenant, Aboy Rwanda, Aboy, tout ce que le Rwanda lui a montré, le ciel et la terre, Aboy Yango, vous vous tournez contre lui. Naibi ke batumso balingaka, er moko mutu, naibi te qu'est-ce que les gens cherchent.
Bref, chers amis, Toyo Koko Mananivo, Félix Tshisekedi accepte l'idée à force régionale. Il accepte Baïa et la force régionale avait un mandat de 6 mois. De 6 mois, Bakoti, les Rwandais continuent toujours à faire bataille, il y a corruption, il y a lobbying de part et d'autre, bon, c'est ainsi que les Rwandais vont acheter la conscience, il y a force régionale, commandement, et la force régionale arrive en RDC, qui avait prévu entrer par Bunagana et faire chasser M23, bah changer de direction, et tout ça, ça s'est joué de l'autre côté. La RDC comprend que non, le Rwanda est en train de nous jouer un jeu. Bah, côté n'a qu'à ta force régionale. Sinon, beaucoup t'as binonyon sauté. La RDC s'impose. Rwanda, allons-y dans qu'à ta force régionale. À côté, n'a pas tout. Mais à côté, n'a pas tout. Mais la direction, il y a force régionale. Rwanda, c'est là qui est. Fonctionne, il n'y a pas ça qui est renseignement et opération. Or, les renseignements, c'est le cœur même de la réussite et à opération sur terrain. Alors, on a trouvé qu'il y avait un virus. Chers amis, tout ça, c'est une leçon pour nous. Toye ba Rwanda na ba facette na yenyonso. Rwanda kei, ba longoli bango manu militari na moi, ba kota les sous na commandement, ya force régionale te, ba pays et calicis, et ainsi de suite, tito komi, ba komi, oh ba force régionale ba koti, et komi au lieu ba ba kende webisa. Groupe armé, en commençant par les M23. Vous êtes ici de manière illégale, donnez-nous la date, vous quittez l'Angola. Les chefs d'État ont dit que vous devez quitter ici telle date. Tokena na badate wana de 8 à 8, de 10 à 10, 31 mars, le 8 mars, le 7 juillet, ainsi de suite. Ils cohabitent. Bazo yambana, baye, affection, tout le monde peut d'affection. Et ça, ce n'était pas une négligence ou une faiblesse de la RDC. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un, j'ai compris que c'est quelqu'un qui veut aller. Soit à la makila moto moto le rôle à Oyabiso. Mais l'héros peut-être, soit na tina koufi, ba bominga ina ba toaka game, mais ba rolonga te. Mais. A kendakanaye na makambunaye, malembe, jusqu'au bout. Au moment où nous parlons, Tshisekedi Félix a ekolakisa, mécontentement naye, Nathalie Sabino, problème a. Il s'est dit que, ezalaka wapi, ezalaka na Bujumbura, pe na New York, il l'a dit. La force régionale a perdu, a bongi ses repères naye. Puisque, mission a yé la ki a zo sala ya ngote. A komi ami, a mi komi si ami na ennemi de la RDC. Oyo bango ba zaki sanse ba ya kobundisa. A komi ennemi na bango, la RDC s'est senti frustré, en colère, a pe sa message wana na batutu. Deuxième frustration, kanda ya RDC, l'air balongoli, puisque Félix Tshisekedi avait demandé que le commandant Jeff Alongwa, puisque il est trop hasard, commissaire vraiment M23, qui tue, qui viole chaque jour, qui pille même les histoires yaba congolais, a commissaire Bamasta, Bakoma Bamasta. On a réclamé son départ, il est parti. Mais la deuxième, où il a accueilli, Jeff a été ma consultant, Kenya qui est à la tête de Makamongo, a consultant ma pays nyons. L'air a nommé Jeff. Mais l'air a été nommé Alpha Oyo, ce qui. Comme on a dit, ce qui Alpha. Du coup, Balongoli Jeff, ba nommé Alpha Wana, ba préparé Yaya na RDC, sans qu'aucun pays, même les pays concernés, ne soient au courant. RDC a l'obité. Oui, mon ami, il n'y a pas de problème. Nous, on ne peut pas accepter ça. Deux grands problèmes, et ça, c'est que RDC, Alongwa la mote manaye, na biloko ya force régionale. Ndebo mona ki RDC a sollicité tripartito ya SADC, a ke yem sa SADC ke, bino bat bo pesak biso conseil, j'ai accepté tout regarder ce que vos gens font sur terrain.
confiance nanga ils allaient sous SADC na force régionalité confiance nanga naza membre ya SADC j'ai besoin maintenant confiance nanga et ya côté à SADC. On a expliqué toute la situation à SADC. Alors bakayi na Bujumbura balobi la situation il faut bakendeti na fin août. Nous avons tous mal compris cette histoire. Mais quand j'ai fait maintenant mes recherches, Kinshasa me dit que on n'a pas souhaité chasser ces gens de force. Dans ma cambo ya sécurité, il faut y aller avec technique. Il est temps, le temps il y a préparation, il y a bateau na balongwa. To pesa ki bango 3 mois. Pour qu'ils allaient que tolongwa ki na brutalité, peut-être sur mécontentement des uns et des autres, bonne préparation. Bolongwa 3 mois. Puisque koya na bango, basali soki 6 mois avant baya. Ce n'est pas que nous sommes des lâches. Nous leur avons demandé le temps maximal. Bokoyi kolongwa et koyi kozala 3 mois. Neomoni tant wana et ki, c'était la date prévue pour son retrait que Togo longwa bo décider lundi, mardi tolongwa te. Et dans les grandes organisations, ça ne se fait pas comme ça. Bisonde tozo mona peut-être makambo na ndenge ya civil, mais na ndenge ya militaire et des organisations ya minene, ça ne se fait pas comme ça. Même ya MONUSCO lelo tozo kende lelo bakolongwe, lobi bakolongwe, c'est tout un processus ya mulai qui peut prendre encore 1 année ou 2 ans. Na occupé makambo ya MONUSCO et comme pe des ordres na ebité sur bakolongwa lesusu. Je ne sais pas. Puisque l'idée est que comme en décembre, va sécuriser ma campagne d'élection. Et après l'élection, il n'y a aucun programme. J'ai eu ça après passage à secrétaire général il y a Nations Unies qui était ici dernièrement. Qui est un Français. Il y a beaucoup de choses là que les Français sont en train de... Des boutiquets derrière ça, n'a repensé la bino pour peut-être au courant de la semaine. Alors, ça c'est en amont. Et na Bujumbura, décision de la qui que force régionale est longue. Mais on n'avait pas mis ça dans la déclaration. Boyoka ki bazo potanakuna, Rwanda yeno, Togo kende na Rumangabo. Togo kende lisusu na runyonyite comme M23 bazo kende place bisu bango dans ba monite il faut bagadala na ko. Nous avons vu le Rwanda peser de tout son poids de l'autre côté alors que la date limite pour la force régionale était déjà déterminée. Lelo peut-être la semaine prochaine Kenya qui a la responsabilité de la force régionale, la tête de la force régionale, va faire une grande descente à Kinshasa. Sur leur table, modalité et processus, il y a retrait à force régionale avant le 31 août. Et la personne qui est chargée de ça, puisque vous savez que les États-Unis ont toujours demandé. Vous savez, même l'administration américaine est divisée sur la question. Il y en a qui sont fatigués. Il y a Bouzo, il y a Paul Kagame. Il y a dans ma déclaration, Paul Kagame doit se retirer. Paul Kagame retire tes militaires, tout ça. La RDC veut affronter les M23 maintenant. Chers amis, moi je pense que c'est une manière. Tout ce qui est passé là, c'était une leçon pour nous. Naba traître, naba oyo bazo longwa, bakayi ko région de M23. Tout ça, c'est une solution. Ruto, qui est le président ya Kenya, dépêche, je pense, la semaine qui suit, ou la semaine l'autre, 3 grandes personnalités qui viennent avec le processus, il y a retrait, il y a force régionale. Il y a le ministre, il y a défense, il y a Kenya. Qui arrive. Oui, mais que Jean-Pierre Bemba Bengsaki, une réunion, il y a évaluation, il y a force régionale Baboyaka. À la tête, le commandant Kenya ici, qui avait reçu des ordres auprès de son ministère de la Défense. Mais maintenant, cette fois-ci, l'ordre de démission, Nago Laksabino, bon, Nasir Sanano, il y a un document que je vais vous montrer.
ministre de la Défense, conseillère en matière de sécurité, il y a Ruto Yemoko. Et puis, le chef d'état-major, force terrestre. Parce que Kenya Bazana force aérienne. Et les trois personnalités seront accompagnées d'une autre délégation, peut-être il y a 20 ou 30 personnes. Ndenge Kenya mobilisa qui pour que force régionale Bayana RDC, Ndenge Pe Kenya a zozo un message. Et sur leur table, les retraits, les départs, il y a force régionale. Ce n'est pas la révision, non. Ou le renouvellement de son mandat, non. Les départs. Comment et quand? Dans les 3 mois ici, puisqu'ils ont le dernier mandat qui va de 3 mois. Alors, voilà un peu ce qui doit être fait et c'est confirmé. Ils sont déjà en train de préparer cette grande réunion à Kinshasa. Du côté de la RDC, on est prudent. Parce que, vous savez, même quand il fallait force régionale, Bazonga, Mangu, Bazonga, Maku, toutes ces forces-là, Kenya, qui a été acheté par le Rwanda, l'Ouganda qui est arrivé, Kota n'a pas matériel et belé, ces matériels n'étaient pas identifiés. On ne sait pas combien de AK-47, combien de obus, et combien de Naibite Minduki, les termes ya Minduki, les armes Nenge Zalaka. Aucune arme n'a été identifiée par les FARDC sur son sol. Il risque que ce qui est le bas qui RDC, moi si pensa. Batoubaye, quatre missions à Bangoubar Kende, ce n'est pas à la RDC, puisqu'on risque de laisser toutes ces munitions, toutes ces armes sur le sol congolais. Ce n'est pas entre les mains des individus. On va confier ça au M23, puisqu'ils sont des vrais collaborateurs maintenant. La RDC comprenant tout ça, Bouébisoki, Nyoka, Laleli, Makinayo. Si vous avez émotion, il y a c'est quelque chose de dangereux. Vous avez un zéro, vous avez un risque peut-être, vous avez un zéro, mais aussi les Makinayos. On est en train, la RDC a utilisé toute sagesse du monde pour préparer Batoyo, pour identifier tous les problèmes des armes, de tout. Et bah, organiser retour à Bango. Ça ne pouvait pas se faire en une semaine. C'est ça la raison fondamentale. Il y a au Italie, Batouana. Quand on a signé que Bakendena août, fin août, il y a eu des qualifications en dingue en dingue. Mais peut-être que tu vas comprendre les logos. Le vin est déjà tiré et il faut le boire. Na expliqué Bino Koko Tabato Bakoti, c'était dans le cadre que bon, on est ensemble, tout peut s'en a confiance, Bakoti. Bakoti et la RDC est restée toujours vigilante. Je souhaite que Bomicha na côté en Mboka na Bino. Il y a des critiques, oui, on peut émettre des critiques. Pourquoi avoir pris cette décision? Pourquoi avoir fait ça? Mais en définitive, Bomicha côté en Mboka na Bino, Bo attaquer, bo défendre Mboka, bo critiquer Bato en face. Si vous mettez côté à Bato en face, bo komi eloko moko contre votre pays, quels que soient vos intérêts politiques, na ebité sokinini dans le pays, vous êtes en train de détruire votre pays. Voilà un peu ce que je pouvais bien vous expliquer en ce qui concerne Koya na kozonga ya force régionale. Donc, bref. Nous attendons cette réunion. Moi, je suis très na li vraiment na salawana. Peut-être na route à la paix, na route ouvrir les réunions en Angamor. Et la réunion va se passer à Kinshasa. Et à l'issue de la réunion, on va annoncer le processus. Il y a retrait, il y a force régionale, et jusqu'à la date où il va basculer et qu'on allait renouveler l'été. Je pense que c'est ça la manière dont les choses doivent se passer. Bah yaki paye jour mon côté pour que Bazonga paye jour mon côté. Bah yaki motona moto na étape naie na biloko naie na batu naie et tout ça c'est un processus. Ne condamnons pas trop déjà des gens
Sokito ebinano motivation te qui a toujours derrière. C'est la leçon du jour. Je vous aime bien pour l'attention. Alors, je vous demande de partager aussi cette émission. Et si vous avez aimé les informations qui n'ont rien à voir avec des positionnements politiques ou tribalo-ethniques, je vous demande de partager cette émission. Et que Motona Moto, allons la biloko, bilobela tout autour, il y a force régionale. Ça ne sert à rien de continuer toujours à crucifier votre pays pendant que vous faites le même travail au Rwanda, Zosala, au Uganda, Zosala. Et là, vous êtes tous dans le même paquet. Moi, personnellement, je vous traite des ennemis. Alors, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Est-ce qu'il y a un commentaire? Car chaque jour est une vie. Quel est le commentaire en question? Beaucoup de commentaires. Commentez dans l'émission, partagez dans l'émission. Et comment est-ce que vous trouvez la politique en question gérée par Félix Tshisekedi, Nakoya, Naye, Nakozonga? Je ne vous demande ici, et pas ici d'insulter les gouvernements congolais, Kabaza Bazoba, pourquoi Bakota qui tout ça. J'ai expliqué la motivation pour que la confusion est allée. Motivation est Tindibaya, situation pendant Koya Nabango, et puis motivation est Zotinda Bazonga. Peut-être que vous avez un commentaire. Commentons. Il s'agit de la RDC. Mais je ne vous demande pas d'insulter. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse avec espoir de vous retrouver demain en bonne santé et pour encore continuer Yakolobela, RDC, République démocratique du Congo. Alors, bonne soirée chez vous et à demain. Au revoir. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacaos. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques. Et ça, aucun effet secondaire. Et tu fais des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale. Lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Nazalaka na poto, nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo, bo mokolo na kozonga to pe soki na kei vacances, nazanga esika ya kopema te na Congo, mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimfundu, leki ya maman na ngai. Noko Chimfundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui est $15,000, mais bayebi singa place moko bezan ba moins cher. Bon, yo le bakini. C'est le permis de mon. Moi, ezamuke, nazo ba tsalo misato. Moi, je suis tonton Chimfundu, papa Chimfundu, oncle Chimfundu. Yo le bakini. Muke, muke, ezamuke. Na on va tout matin. Nazongi ki sasa. Ndako e muna na te. Ata terre ya pamba na muna te. Noko Chimfundu, abelinga imo. Alors tango kanda e matinga e pende na kangisa noko Chimfundu. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de $300 par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou Gomi propriétaire ou Kololupa. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance.
na MB Assistance Immobilière, bisognoso fungola na maboko, banco no lo pago. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Aimons le Congo, élevons le Congo, protégeons le Congo, car la RDC, c'est notre avenir, c'est notre sang, c'est notre terre. La loi Tchani est le seul gage pour garder l'intégrité de notre territoire et de nos richesses. Alignons-nous tous derrière la loi Tchani, de père et de mère, de père et de mère. Pour commander votre piment, textez au 435-243-2318. Laissez votre nom et adresse, combien de bouteilles, carton, palette. Merci pour supporter la campagne de paix et de mer en la faveur de la loi Tchad. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiacimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiacimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiacimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Au cœur de l'Afrique, traversée par un majestueux fleuve, un foisonnement de grands lacs, montagnes, volcans, un paysage à couper le souffle, une flore sans pareil au monde, une multimine à ciel ouvert, un pays où coule le lait et le miel, telle est la RDC, mon pays. Notre patrimoine commun et notre héritage. Voilà pourquoi il exaspère et suscite envie et convoitise. On aime le Congo et pas les Congolais. C'est que l'Afrique doit savoir que tant que son cœur, qui est sa gâchette, sera malade, alors tout le continent ne se remettra pas debout. Hier, la quête du caoutchouc nous a valu l'amputation des mains. Jusqu'à 1300 mains coupées en une journée. Sans parler de travaux forcés que seule la mort arrêtait. Non, non. Même encore aujourd'hui, cet holocauste si lointain et à peine croyable pour nous est devenu notre lot quotidien. Les tapis rouges du monde entier sont déroulés au pied de l'auteur de ces crimes autorisés et impunis. Voilà bientôt 30 ans que ça dure. Assez, c'est assez. Salus Patria, suprême Alex. Les saluts de la patrie, c'est la loi suprême. Congolaises et Congolais, l'heure est arrivée de s'interroger, réfléchir et fixer les causes, les origines, notre part de responsabilité, identifier les parrains et les complices internes et externes. Pour cela, ne manquez surtout pas d'assister au rendez-vous des vérités qui seront livrées au colloque national pour la défense et la préservation de la souveraineté et de notre intégrité territoriale, qui sera animé par des conférenciers et intervenants de renom. Isidore Ndaiwel, Monseigneur Marcel Outembi, Honorable André Mbata, Mwaila Tiembe, Alain Foka, Lambert Mendeo Malanga, le doyen Essambo, Président Bossembe, Professeur Paul Gaspard Ngonda Koy, Professeur Edith Tamwe, le professeur Tibangu Kalala, Mwamioto Baizi, Judy Raveur, Chef Fumu Difima, Charles Onana, Freddy Moulumba Kabwayi, Professeur Alphonse Toumbaloaba, Yamba Chintou, Faustin Bimicia, Honoré Kabongo, Blaise Mukenge, Fumu Toto, Thomas Luaka Lusenjola, Mikaela Rouen, Modeste Moutinga, Kwebe Kimpeli, Joël Kitenge, Docteur Noël Tchani, Professeur Kabongo Malou Emmanuel et le professeur Docteur Jacques Njoli. Les bases d'un nouveau Congo seront jetées pour contrer la désacralisation de notre souveraineté, les ingérences et complots, conjurer à jamais l'usurpation de notre nationalité, le viol de notre territoire, l'infiltration de nos institutions, les guerres à répétition et les crimes de guerre, la confiscation de nos terres, les pillages de nos ressources, l'errance sans fin de nos populations, l'achat massif de consciences et autres antivaleurs. Venez tous derrière le pacte qui unit tout le Congolais, organisé par le vent de révolutionnaires intègres et transparents pour une Afrique solidaire, Veritas.
une initiative citoyenne. Pour tout contact. Nelson Yanzila, Coco Yasuka Moka. Ashka, Ashka, Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este, bobate lama, bobate lama, nanzame o. Bamamana este, bobate lama, bobate lama, nanzame o. O akuna na yeturi, bobate lama, bobate lama. Sisi Lubo ya kashama Motema pasi eba na buna kanda e Zambe alola Abate la bina Zambe Kostan dima Beta 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 matusa Beta matusa e Infarte se L'équipe ma kasi La police nationale Mama yo yo, Chier, Mama, Christian Chiwewe, le Jene Jene, patriotique. Ah, ah, Kembo, ah, Kembo, pot. Tomalanda, akongo mongali. Subakaniza kazoto eza kotonga Boye baka lokuta Ebo makazoto Nganaleli yo bolingo Ya papa ye Papa Batela zoto ye Yangu ezali tepelo ya molimo Molimo monsantu ye Sanjoli ezonga na yo zakoma na toli okoto na zakoma ye 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 yo yo oh Haleluya zambe na kongo zambe na nduya atonda na bolingo Yonde monsatu heto kumisio Moko na kongo Ato na boli ngogo Mwana na zambe Obongi na kemo Yeah, la tamba fuga, la tamba fuga, koyu kanda me fuga.
ko bouge mingite na ko dingita kaka epole bina bina na epole moko ko bouge mingite obina makasi to to bina na epole moko bina na ye na epole moko yase baluka kaye e mwana mama baluka kaye Tell me why, who can I not do it?